Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier jour de la semaine, puisque moi je termine le vendredi avec vous. On est le vendredi 27 mai 2022.
J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on continue, n'est-ce pas, avec notre bel archange Métatron. Et pour commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, pour terminer cette semaine, j'ai pigé manifestation. Un peu comme une lampe magique, eh bien, vous allez découvrir un objet, vous découvrirez, pardon, un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille. Ou alors, vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Eh bien, soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Alors, j'ai pigé cette carte, c'est le signe que plusieurs bienfaits se manifesteront dans votre vie prochainement, autant évidemment que sur le plan matériel que spirituel, n'est-ce pas ? Vos pensées positives, eh bien, sont des aimants. Et plus vous visualisez, plus vous en attirerez. C'est l'oponopono. Vous visualisez, vous attirez. En tous les cas, un objet important refera surface où vous allez découvrir dans votre vie. Il a peut-être appartenu à un membre de votre famille. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, il a une très grande valeur sentimentale et il pourrait même vous renseigner sur les raisons exactes de votre incarnation terrestre. En tous les cas, si c'est le cas, eh bien, faites-le-moi savoir, parce que là, je suis curieuse. Il se peut également, n'est-ce pas, que vous ayez besoin de faire le point sur une situation très particulière, car votre récent succès, eh bien, cause diverses réactions dans votre entourage. Peut-être qu'il y a de la jalousie, n'est-ce pas, dans votre entourage, mais cela sera bref et c'est pas grave, n'est-ce pas, car votre attention est tournée, eh bien, vers cet objet ou ce cadeau qui arrive dans votre vie. On vous invite à prendre le temps de réfléchir et de ne pas fermer la porte à ceux qui sont heureux pour vous et qui désirent vous venir en aide. Si vous avez besoin d'aide, ne manquez pas de le demander. Il y a en tous les cas une source, une attirance dans votre vie d'abondance. Donc profitez-en parce que ce sont de belles énergies positives. Et il se pourrait que certains d'entre vous, n'est-ce pas, eh bien vous ayez une rentrée d'argent surprise. Donc soyez attentifs à ce qui se passe dans votre vie présentement. Je terminerai par l'énergie de guérison et c'est la joie. Ben, tout comme l'enfant, n'est-ce pas, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Et pour ma part, je terminerai, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste et lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite un excellent week-end, une toute belle journée. On se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui sont alentour de vous. À tout bientôt.